Yo yeah, yeah. j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui vous surprend probablement pas, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Depuis la sortie de Wild Survivor, c'est un deck profile dino avec un budget incroyable. Alors, sachant que c'est un deck profile deck plus extra plus side deck. Et on a réussi à vous concoter quelque chose qui ne dépasse pas les 30 euros puisqu'on est à 29,60 quelque chose comme ça. Alors évidemment, ce sont les prix card market, prix au moment de la création de cette vidéo. S'il y a des prix qui explosent entre-temps, bah, malheureusement, la vidéo ne sera plus viable. Mais à mon avis, il y a peu de chances qu'on arrive sur des budgets énormes en partant de 30 euros aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a choisi que des prix de cartes en français. Donc ça veut dire que si vous choisissez de jouer en anglais, par exemple, bah, vous risquez à mon avis de encore réduire le prix, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Et l'autre chose, c'est que si vous avez déjà certaines cartes, bah, naturellement, ça vous coûte moins cher mais surtout vous allez pouvoir le compléter au fur et à mesure du temps puisque dino en tout cas la liste qu'on présente est une liste qui peut largement être améliorée avec certains staples comme Apoluza par exemple mais qui dépassait beaucoup trop le budget par rapport à ce qu'on s'était fixé 30 euros c'est vraiment cool c'est une bonne somme en fait l'idée c'était vraiment d'essayer de respecter le budget d'un deck profile avec trois decks de structure pour avoir un budget très similaire à la base on était parti sur 40 euros et quand on a vu qu'on pouvait faire 30 on s'est dit clairement 30 c'est trop cool c'est un budget qui est accessible et en plus de ça mais là en l'occurrence le deck est complet dans cette vidéo il y a trois parties la première c'est celle où je vous présente physiquement les cartes juste ici puisqu'on a fait le deck. Pour être sûr que tout tourne bien, etc., et pour pouvoir s'entraîner, donc je vous présenterai le deck profile complet juste ici. La deuxième, c'est une analyse des prix. Donc on a une grosse capture d'écran où tout a été intégré pour pouvoir eh bien simplement vérifier le prix de tout et avoir un total final juste. Et la troisième, et eh bien c'est simplement deux replays en tout card combo sur Edo Pro où je ferai des petites pauses au moment des replays et je vous expliquerai un petit peu ce que ça fait. Et surtout pour vous montrer, ben voilà, ce deck-là, il est capable de faire ça pour ce budget de 30 euros. Franchement, c'est plutôt cool. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous amélioreriez, amélioreriez. Oh, c'est compliqué comme moi, dites-moi ce que vous amélioreriez dans la decklist, que vous pourriez changer, et puis voilà, il y a sûrement des joueurs dino dans la liste, donc franchement, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous manifester. Avant de commencer cette vidéo, j'en profite pour remercier Mathieu, Jonathan et encore Florian qui m'ont beaucoup aidé sur le deck build, les choix, le budget, etc. Euh, de cette vidéo, donc voilà, big up à vous, franchement ça fait plaisir, et euh, c'est parti, la communauté, je vous montre tout ça. Ok, donc deck extra. Et side deck. Alors ne faites pas attention aux raretés que j'utilise. Puisque bon, en fait il y a certaines raretés que je n'avais juste pas dans leur plus low rareté de budget. Donc ben, naturellement j'ai pas de quoi vous les montrer. Euh, 3 Oviraptor, c'est des Wizous, ça fait plaisir. 3 bébés, c'est des Wizous, ça fait plaisir. Là on est que sur la carte à 2 centimes. Deux Arkosaur. Alors que il est souvent joué x1. Nous dans notre decklist on s'est dit qu'on allait jouer x2 parce que ça simplifie certaines lignes de play. Et ça permet aussi d'utiliser plus facilement certaines liens 1. Euh, et encore une fois, on est sur une decklist de budget. Donc forcément il y a des choses qui changent. Un petit qui est pratique. Également un diverno on en aurait plus si la carte n'était pas limitée et deux UCT, donc ça c'est que des cartes de Wizo Et là, on est euh, globalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On doit être à 24 centimes sur Card Market, euh, 24 centimes pour le corps complet. Là, franchement, toutes les cartes qui vont aller autour, c'est ce que du bonus pour améliorer le deck, mais, euh, mais franchement, c'est assez complet. On a mis deux Scrap Raptor, alors on aurait pu en mettre qu'un seul, mais en fait, le combo Scrap Raptor il est vraiment trop fort, il permet trop de choses et naturellement la Chimera qui va avec. Qui permet de normal Scrap Raptor le casser, effet pouvoir normal autre chose et tuto, normal ça, rebound ça, et du coup casser un truc sur le terrain. Mais si on a terrain, du coup on va pouvoir casser bébé directement. Franchement, euh, franchement, c'est assez complet. On va jouer un Rex le géant pour vraiment le package complet euh, des dinos parce que le Rex, en fait, il permet à la fois d'être banni sur UCT et du coup de revenir, donc de permettre de faire des free x soit pour des x soit pour d'autres choses de ce genre. On va jouer un Dogoran et un Pancra. Alors Dogoran, il coûte pas très cher parce qu'il a été reprint dans les decks de structure euh, GSP. Duel et Pancra, bon voilà, Pancra c'est pas une carte qui coûte très très cher. Ça reste deux dinos donc c'est des cartes qui sont éventuellement accessibles dans le deck et ça reste deux bons de board breaker. Le, 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 le Pancra, ouais, il casse des bouches, on, on sait, on est au courant, il rentre en battle, il tape un truc, effet, il peut se casser du terrain, et casser un autre truc et le Kaiju, bon voilà, ça reste un Kaiju, c'est un Kaiju dino donc franchement c'est encore plus fort. On va jouer deux pills et euh, trois recherches et trois mondes perdus. Là, en l'occurrence, c'est encore une fois que des cartes de Wizou. Euh, donc on est sur du. Il y a 8 cartes. Donc on est sur du 18 centimes. Ça permet vraiment d'accéder. A beaucoup de choses supplémentaires. Euh, Fossile qui rajoute une copie de n'importe quel dino de moins de niveau 4 dans le deck, c'est fort. Pilule qui permet d'aller faire UCT, mais pas que. On peut aussi invoquer d'autres decks du monstre, d'autres monstres du deck, pardon. Euh, et en fonction de ce qu'on fait, ça peut être intéressant. Et monde perdu, bah voilà, le fait de, de pouvoir casser le token, mais finalement il n'est pas cassé. Et du coup, ça casse un truc du deck. Ça lance beaucoup trop de combos. Et ça laisse accessible beaucoup de choses. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais juste ici on a une Terra. En fait, Terra c'est simplement une quatrième copie du terrain. Parce qu'on veut absolument toucher notre terrain. Et on veut aller rapidement. sur tout ça. Je joue un petit package gribouille. Alors, le petit package gribouille, franchement, il est cool. Euh, toutes les cartes vont globalement euh, aller ce tuto entre elles. On va pouvoir assez facilement les ajouter. Et euh, le livre permet d'éviter des battles. Et euh, le, le tyrannou va casser un sur le terrain. C'est un effet rapide. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir gérer en plus de ça des choses pendant le tour de l'adversaire. Et encore une fois, c'est des cartes qui valent euh, peut-être 30 centimes les trois, quelque chose comme ça. Donc, euh, pourquoi s'en priver C'est des dinos. C'est des beaux dinos. Moi, franchement, j'ai toujours adoré ces artworks-là. Je les trouve très beaux depuis qu'ils sont sortis dans BLCR. Donc c'était l'année dernière. Euh, et ensuite on a les free spots. Donc on a 10 free spots dans ce deck là. 3 H. C'est un peu la carte la plus coûteuse du deck, je pense. 3 boucs, parce que Book coûte pas très cher et c'est intéressant les interactions avec Book et UCT. 3 trous noir parce que Board Breaker. Franchement c'est cool. Et puis tu peux normal bébé faire trous noir, proc effet bébé. Et un call by pour terminer. Euh, voilà, ça nous fait 10 free spots. C'est des free spots qui peuvent être améliorés. C'est des free spots qui peuvent être arrangés, bien évidemment. Euh, on peut rentrer plus de hand -trap, si vous avez par exemple des belles. Ou euh, je sais pas moi d'autres de, de, entraps en fait que vous préférez mettre main deck. Moi je préfère largement ces cartes là euh, parce que le deck veut plutôt aller go second. Mais admettons que vous voulez aller go first. On en reparlera avec le, le, le side. Il y a moyen d'enlever par exemple les trous noirs et de mettre des belles à la place, puisqu'on a des belles en side. Euh, au niveau de l'extra deck, du coup, on va jouer euh, bah, le classico. Un Dolka, un Lalgar, euh, on joue pas de prospect extra ou quoi que ce soit, donc on peut se permettre de les jouer que x1. Euh, certains permettraient, préféreraient peut-être mettre deux Dolka. Bon, voilà, là en l'occurrence, on a choisi de, de partir là-dessus. On va jouer un cauchemar colonial parce que c'est cool. Un numéro 60 pour aller piocher lorsqu'on n'a pas toutes nos cartes. Un Diogares pour pouvoir tempo lorsqu'on n'a pas toutes nos cartes ou parce, parce qu'en face fait, il y a des trucs trop relous, hein, clairement. Euh, 2000 de défense. Il y a beaucoup de monde qui ne le, qui le passe pas et nous des X64 c'est vraiment pas le, le, le problème. Donc ça nous fait un petit paquet X64, il n'y a pas grand chose qui coûte cher à part le petit numéro euh, Bagushka, parce que Bagushka ça coûte toujours très cher. Euh, on va jouer un petit Frame Omega, alors c'est une bonne carte, ça permet de gérer des cartes de la main, etc. Ça reste un ton à 2008, on peut le faire facilement avec euh, le Scrap Raptor. Euh, on pourrait jouer Savage à la place, bon Savage dépasse largement le budget, mais si jamais vous avez Savage, par exemple, typiquement c'est le genre de carte qu'on peut mettre à la place. Euh, et, euh, et ça permet en fait, tout simplement de, de faire des synchros en fonction de ce qu'on veut faire, c'est assez cool. On va jouer deux liens 1, le lien Kuribo et euh, le Anima. On va pouvoir faire avec Anima, avec euh, arcosor euh, c'est bien Arcosaur qui s'appelle... On va pouvoir faire avec Arcosor, oui, tout à fait. Euh, Anima explose un peu le budget, c'est un peu cher, mais je trouve qu'elle est trop forte dans trop de situations. Euh, tu vois la monstre, tu peux rentrer en battle et tout, enfin bref, c'est juste c'est juste cool. Et, euh, et c'est utile pour, pour passer là-dessus, on a éventuellement le, le Garnet de sécurité qui est cool. On va jouer du coup la, frag, la, la Vouivre que je vous montrerai dans le combo, euh, parce, que, parce que la Vouivre elle permet de faire trop de CA et elle permet, si t'as terrain, de lancer tous les combos avec terrain. Si tu touches juste ton terrain et Scrap Raptor, t'as un full, full board. Le Pentestag qui est trop cool parce que du coup lui il dit que tout ce que tu vas taper en mode défense bah du coup tu vas faire dommage personne. Donc si t'arrives à mettre, et on en reparlera pendant la vidéo bien évidemment, mais un UCT et ça là dessous effet tu passes tout le monde à défense, effet tu peux taper tout le monde, tu déclares pas son effet pour casser, et du coup tu vas mettre 3500 sur tous les monstres et du coup tu feras dommage personne donc. C'est fort, hein, le petit combo là, il est fort. Et euh, on y a accès, accès facilement. J'aime beaucoup jouer Early dans ce deck là. Early, c'est une carte qui dit que lorsqu'un monstre, monstre active un effet dans une de ses zones, tu vas pouvoir cibler un sur le terrain et annuler son effet. Ça nous fait une negate gratos, une negate facile, puisque c'est juste deux monstres à effet. Et euh, bah, ça nous permet d'avoir une interruption supplémentaire sur le terrain dans un deck budget, puisque la carte coûte 2 centimes. Et ensuite, on a choisi de jouer voilà, le package Nightmare classique, euh, parce que le deck peut s'en servir. Euh, ça peut être pas mal en certaines situations et encore une fois avec les reprises qu'on a eu en GUM pour eux 2 bah, c'est des cartes qui coûtent vraiment pas grand chose donc ça serait dommage de s'en priver et, euh, et ça reste des cartes qui ont euh, un, un, un sacré pouvoir dans le jeu, on le sait. Au niveau du side du coup, comme je disais, on a trois belles, c'est des cartes qu'on pourrait mettre en main deck euh, parce que parce que comme vous le disais on peut enlever éventuellement les trous noirs, les mettre en side et avoir plus de cartes pour contrôler l'adversaire, plus de main trap. Moi je préfère cette version broadbreaker tu clean le board et d'ailleurs tu tapes euh, un mind control, ça coûte rien, ça fait une volée des montres c'est cool. Cool. Un changement de coeur, ça coûte un petit peu d'argent, c'est en fait, 2-3 euros, peut-être parfois un peu plus en fonction des prints, euh, mais, mais ça reste une bonne carte. Et un plumeau de Damarpie qui coûte lui, coûte pas grand chose. trois euh, Cosmiques qui ne coûte rien et qui permettent en fait, avec le plumeau, d'avoir un très bon euh, contrôle des match ups Bacro. Euh, 3 barrières Dim qui, elle, pour le coup, est une carte qui ne coûte vraiment pas grand chose et qui voilà, vole des games, permet de contrôler Branded par exemple, tout simplement. Et trois 3 Antispel qui est une carte vraiment relou dans le format qui coûte rien du tout en Tama et ça nous fait un side en fait qui est très générique, qui passe partout, c'est pas un mauvais site, c'est-à-dire que c'est le genre de site qui ne me surprendrait pas de trouver en decklist de tournois euh, classique en fonction du format, et euh, tout ça pour un budget qui est vraiment euh, très limité. Bien voilà pour cette première partie de présentation du deck. Comme vous l'avez vu, il est complet, adapté aux choses euh, optimales entre guillemets, tout en respectant un certain budget. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler du budget justement et je vais vous montrer un petit peu cette fameuse capture d'écran où on retrouve tous les prix. Alors au niveau des prix, comme vous le voyez, on a 29,60€, on a un deck qui est à 11,35 euh, Dans les gros trucs du deck, ce qui va ressortir le plus, ça va être Dogoran par exemple ou encore Call Buy. On n'a pas grand chose en fait qui explose en prix. Euh, on on n'a rien d'ailleurs au-dessus de 50 centimes par exemple. Euh, si on a de carte à 6-60 centimes peut-être on a, on a rien au-dessus de 50 centimes, donc ça nous fait vraiment un deck qui est assez complet. L'extra, lui, est un peu plus cher. On est à 12 euros parce qu'on va retrouver euh, Lung Kuribo qui a à 3 euros, Anima qui a à 3 euros. Tout de suite, on a des cartes qui sont un peu plus chères. Euh, c'est des cartes qu'on peut enlever, mais c'est dommage de les enlever dans ce deck-là. Et au niveau du side, on est à peine à 6 euros. On a Changement de cœur qui est à 3 euros. On a les Belles qui sont à 50 centimes pièce. Mais en fait, ça nous permet d'avoir un side qui est à la fois complet et tout ça pour un budget qui est très accessible. Et du coup, l'ensemble, le deck complet, ne coûte que 29,60 euros. Donc franchement, ça, c'est plutôt cool. Et ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose qui est jouable. La liste complète est jouable. Et tout en respectant un budget, c'est vraiment ça qui est assez fou. Donc on se retrouve pour la troisième partie. Je voulais vous montrer quand même une capture de la liste complète. Pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo et qui voulaient juste une capture, euh, on retrouve les ratios classiques. Ça nous fait vraiment une belle ligne de free spot. Euh, le call-by, la trappe, etc. J'aime beaucoup. Alors franchement, la liste, je la trouve assez cool. Euh, J'aime beaucoup l'engine Doodle qui est plutôt cool, euh, je trouve que ça fait des choses, UCT c'est un bon monstre, etc. Euh, voilà, je voulais vous montrer la liste avant de passer au replay. Là en clair, je vais vous montrer deux replays. Le premier c'est Scrap Raptor. Plus euh, Lost World pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Et le deuxième, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est Ovi. Ovi plus un autre truc. Bon, je les ai hier. J'ai oublié ce que c'était. Mais ça vous permettra de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ok, donc le premier, c'est comme je vous le disais, c'est Scrap Raptor plus terrain. Donc là, on va activer terrain. Et on va faire le, 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 la ligne de play Scrap Raptor. Dès qu'on a le Scrap Raptor, on va le token. Comme ça, on est tranquille. On va euh, casser le Scrap Raptor. Donc ça, c'est l'effet de Scrap Raptor qui est très fort. Euh, on le casse. Si il est cassé, tu peux faire une autre norme et tu peux tuto également un, un chiméra. Euh, donc on va pouvoir, euh, enfin c'est tuto un autre scrap. Donc là avec le chiméra, on le reborn, on va faire la lien effet de la lien. On va cibler un dans le cimetière, le reborn, le casser. effet de la lien. On va cibler un du deck cette fois et on va essayer de casser non pas une carte sur notre terrain mais une carte sur le terrain. On va essayer de casser le, le token et vu que le terrain intervient pour protéger la destruction d'un monstre euh, terrain, d'un monstre dino, et eh bien on va pouvoir casser bébé du deck. Et là là en fait ça lance tous nos combos puisque bébé cassé, bébé va me permettre de spé Oviraptor. <laughs> c'est vraiment trop fort. Ovi effet, on va aller chercher la meilleure carte du deck à savoir le Micé. Micé est fait, on va pouvoir le défausser, ça c'est son premier effet, pour euh, dire que tous les dragons les dinos, alors c'est inaffecté, je ne sais plus ce que c'est exactement. Euh, tac, ils ouais, sont inaffectés, ouais, exactement, tous les dinos sont inaffectés jusqu'à la fin du, du, de la main phase 1. Euh, on va pouvoir faire effet euh, Missé du coup au cimetière, bannir deux et spé un bébé du deck. Et là du coup on va pouvoir faire Oviraptor pour pouvoir casser bébé euh, et du coup bah, bébé va proc pour pouvoir eh bien simplement... Euh... Donc là en fait Oviraptor casse le premier bébé, pour spé le deuxième bébé du deck. Et le fait, le fait que le premier bébé ait été cassé. Alors attention, de ne pas sélectionner le même bébé, parce que sinon il y a mis timing et il n'y aura pas les faux cimetières. Mais si le bébé, vu que le bébé a été cassé, on va pouvoir spé Missé du deck. Et là, Missé du coup va casser à nouveau bébé. Vraiment, casser bébé, c'est abusé. Et donc, Missé casse bébé pour tuto Pills. et bébé va proc à nouveau. Et je crois qu'on spé Rex avec ça. On se Rex avec ça. Donc là, on a notre première euh, interaction, entre guillemets. On va pouvoir utiliser le Rex et euh, le, le Arcosor. Pour SP la early dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous permet d'avoir une interruption sur le board. On va bannir deux pour SP UCT. Avec les deux CT. ce qu'on a banni c'est Rex. Donc du coup Rex va revenir sur le terrain. Et vrai que ça va me permettre du coup de faire. Euh... Alors là, du coup, on utilise la Vouivre et le Oviraptor pour faire euh, le Pentestag. Tag. L'idée, c'est de vous montrer ce que ça fait. c'est pas forcément le meilleur play à faire. Là, on aurait pu faire une Apollousa si on jouait une apolloza euh... Mais c'est pour vous montrer. Là, en l'occurrence, on a réussi à mettre Pentestag Tag sous euh, UCT. Euh... Et donc, du coup, on termine notre combo complet. On fait juste une X6-4 avec la guerre Ce qui fait que quand la guerre Alors, UCT va flip tout le monde. Elle, elle dit que UCT peut faire dommage perçant en en tapant des monstres. Euh, La guia dit que lorsque tu actives un... Lorsque tu invoques normalement un monstre, euh, normalement ou spécialement où tu actives une magie piège. Tu peux enlever deux matos annulés. On aurait pu clairement mettre euh, Dolka à la place, hein, c'était juste pour l'exemple. Et Early dit que si un monstre active son effet dans une zone pointée, ce qui est le cas, eh bien tu vas pouvoir cibler un sur le terrain et annuler ses effets et son attaque devient 0 euh, jusqu'à la fin du tour. Donc c'est plutôt fort. Et encore une fois, on est sur un combo en euh, tout cartes combo. Normalement, il nous reste encore 3 cartes en main. Donc on peut faire des trucs en plus. Il euh, y a des mondes où tu fais euh, la plus Dolka sur le terrain. C'est complètement possible. Euh, mais voilà, c'était le premier combo et vous allez voir que le deuxième arrive sur un board très très similaire euh, avec un combo, un two-card combo qui sera lui différent. Ok, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est Oviraptor plus, euh, plus Bébé. Donc, sachant qu'on euh, a trois copies chacun, plus on a trois fossiles d'Ik. Donc, en fait, ça nous fait des, des gros ratios de ces cartes-là accessibles dans le deck. Euh, on va normal Ovi, tuto Missé, parce que Ovi est tuto quasiment tout le temps Missé, euh, Missé se défausse pour aller euh, spé, alors pour rendre inaffectés tous nos monstres euh, dino, et euh, jusqu'à la fin de la main phase. Et Missé il se banne, donc lui ou plus. De là, on a banni deux pour spin level 2. Là, on va bannir un pour spin level 1, c'est Arcosor. Et Arcosor, il dit qu'il casse une carte sur le Terrain ou dans la main, donc en fait, Arcosaur va nous permettre de tuto pills et de proc l'effet de baby. Donc, franchement, ça c'est trop cool euh, puisque l'effet de baby, on sait, on a compris que c'était l'effet le meilleur du de deck. Et baby nous permet de spé baby parce que parce qu'il n'y a pas de limitation, c'est pas une fois par tour, c'est pas c'est pas name, name cible ou quoi que ce soit. Franchement, cette carte elle est débile. Euh, et du coup, là, on va faire Oviraptor, casse, casse baby. En fait, c'est le même combo que tout à l'heure sauf qu'on va revenir sur quelque chose de très similaire et là normalement voilà exactement on va refaire le même combo baby spé baby puisqu'on avait déjà un baby au cimetière et du coup le deuxième baby va spé le scrap raptor et là comme vous avez vu en fait on a presque le même setup que tout à l'heure et au final on va arriver sur la même situation on va vraiment chercher à faire un combo très similaire à chaque fois on casse le ovi euh, le, le scrap on va chercher la chiméra grâce à la chiméra on peut faire une deuxième norme on respé le, euh, le, le, le monstre euh, là on va pouvoir respé un le casser, respect 1, et du coup on peut casser le Baby, parce que oui, on n'a pas le sword, donc on peut pas protéger, casser un Baby du deck, machin, mais vu qu'on a encore un Baby sur le terrain, en fait on peut le casser à nouveau, et du coup Baby va spé, Rex le géant, et donc là, très clairement si on met en pause, on a un setup qui est extrêmement similaire de ce qu'on avait tout à l'heure, on a la, la petite double pile sur le terrain, on a le strap raptor, on a donc un tuner un monstre niveau 4, un autre monstre niveau 4 qui va pouvoir se respecter, et un lien 2 et un monstre niveau 1. Donc là on va pouvoir faire énormément de choses. On refait la early, on refait le pen tag. Là du coup avec le avec la Pix du coup on va pouvoir bannir le, le petit Rex du géant. Donc il va se respecter. Et on va refaire le même board, en fait, tout simplement. Et on voit, va... je crois que j'ai fait une synchro juste pour montrer. Voilà, exactement. C'est juste pour montrer qu'on peut faire des synchros. Là, avec les deux avec les deux niveau 4, on aurait clairement pu faire un X6 à la place. C'est pas un souci. Mais c'était pour vous montrer un petit peu qu'on pouvait faire des boards différents. Et encore une fois, avec du tout card combo qui est très complet. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure dans la décliste, c'est des cartes qu'on a énormément euh, dans le deck et qui sont accessibles avec en plus Fossil Dig. Et bon, si vous avez prospérité, c'est royal, alors on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, donc là on a un board avec une annule 1, euh, une carte qui va enlever une carte de la main de l'adversaire, une carte qui va flip tout le monde et qui en plus peut taper tout le monde, et une carte qui dit fait dommage persan » avec du coup de combo. Franchement, c'est pas trop mal. Bien voilà, messieurs dames, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai d'être le plus complet possible à la fois sur l'explication du deck, le choix des cartes, etc. et le fait qu'on comment on a fait pour arriver à. À moins de 30 euros, une explication également du prix des cartes au moment où on tourne cette vidéo là et euh, eh bien euh, des petits replays hein, parce que c'est cool les petits replays pour quelqu'un qui connaît pas du tout Dino de trouver un petit peu euh, voir ce que ça fait etc. Ce que je ferai c'est que j'essaierai de mettre une decklist edo pro ou euh, du link book plutôt euh, pour que vous puissiez cliquer dessus dans la description directement et arriver sur une liste complète pour retrouver les cartes. Il euh, y a pas mal de ces cartes là qui coûtent absolument rien que vous allez pouvoir retrouver extrêmement facilement euh, en boutique dans les dans les, voilà, voilà en échange ou quoi que ce soit euh, parce que c'est des cartes qui pour, la, pour les dinos ont été print il y a pas longtemps donc beaucoup de gens ont ouvert des boîtes notamment pour avoir Vanquish Souls et du coup ont des dinos qui traînent et puis bah, tout le reste en fait à part euh, certaines cartes comme les, les entrap etc. Sinon tout le reste c'est des cartes qui sont assez faciles à trouver donc très sincèrement je doute du fait que vous ayez du mal à compléter ce deck et à créer ce deck là j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas bien évidemment le pouce l'abonnement je serais très curieux d'avoir vos retours qu'est ce que vous vous amélioriez qu'est ce que vous mettriez en mieux qu'est ce que vous mettriez en moins bien qu'est ce que vous changeriez est ce que vous auriez une meilleure idée que moi sur le tout carte combo que je vais vous présenter en l'occurrence je vous en ai présenté deux est ce qu'il y a des choses que vous verriez différemment n'hésitez pas à me le dire c'est avec grand plaisir et puis moi sur ce je vous embête plus prenez soin de vous faites vos duels et collection de cartes à bientôt les potes allez ciao